végétale et l'enfant lumineux. Vous avez la même entrée ici que la nef de la cathédrale de Noyon, une des deux grandes premières cathédrales de France, au début du XIIIe siècle, c'est-à-dire 20,50 mètres sur la boue de la chapelle. Et là, nous sommes à l'approche de l'architecture grecque. D'abord, je voudrais vous rappeler la seule date certaine pour les bâtiments, une chose très pratique, à la ceinture. Les historiens n'ont qu'une seule date à retenir, le 26 avril 1248, et la fameuse date de consécration. Donc déjà, vous avez trop plus de et les chantiers des grandes cathédrales, je me souviens. Ok, tu vas voir. Vous savez, il y a 600 mètres d'ici, côté est, tous ces grands chantiers de cathédrales sont déjà assez soufflés. On voit bien, à la Sainte-Chapelle, on ne pourra pas faire mieux. Dans la façon d'éviter les murs maximum, pour Madame Lasse, d'éviter. Et là, je vais commencer par un chiffre très impressionnant. Impressionnant surtout par rapport à la superficie du lieu. Il est quand même pas très important.